Salut, moi c'est Cédric, je suis pêcheur passionné depuis tout petit, originaire de la région Tourangelle, de la Touraine. C'est mon père qui m'a fait découvrir la pêche quand j'étais plus jeune. J'ai beaucoup pêché en mer, le bar, maintenant je pêche un peu plus l'eau douce, quoi, le bec et le cendre, mais je préfère quand même le brochet. Cette passion m'est venue en lisant plusieurs articles sur Éric Le Guyader qui fait des leurres exo. C'est un fabricant de leurres français qui fait des leurres pour l'exo. Et quand j'étais jeune, j'avais à peu près 16 ans. Et puis voilà, cette idée m'est venue en tête. J'en faisais au début pour moi tout seul. Et puis maintenant, j'en fais un peu plus pour des copains. Il n'y a pas trop de big bait sur le marché. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. Mais normalement, dans les années à venir, je vais faire des leurres plus petits. Bah, c'est de faire toujours du big bait, mais peut-être évoluer aussi vers des plus petits leurres à bavette et tout ça. Intéressant. Voilà. Du swim bait. Pas mal de petits projets en cours. Bienvenue chez moi dans mon petit atelier de fabrication de leurres. Lima Pop. Magnifique. Pour Lima. Yes. Et puis bah, tout ce qu'il veut demander dessus. C'est vraiment le bruit qu'il recherchait pour Lima. Ouais. Et tu disais tout ce qui est l'explosion, les bulles et puis l'eau qui gicle. Ouais, c'est ça, tout à fait. Let me break it down, 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 down.
I just want to say this right now, that regardless of what they say about it, there is nothing new, only different. Never forget this. The future is to those who take it. Well, I say that nothing is easy, and the best things are the hard. Ouais. Ce sera dans le bêtisier, ça. Bienvenue chez moi pour mon petit dog. Non, mais là. Et ça devrait être en confusion. Mais il montre le moi. Ah. J'ai 28 ans aujourd'hui. Non. Non. Moi, c'est un loisir, un passe-temps. J'aime bien faire ça. Et j'aimerais bien plus tard vivre de ça. Ça serait classe. Ouais.